Au lendemain de la tentative de coup d'État déjouée le 26 septembre 2023 au Burkina Faso, 4 officiers ont été mis aux arrêts pour leur présumée participation. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un complot contre la sûreté de l'État, selon les informations révélées le 27 septembre 2023 par le parquet militaire de Ouagadougou. Une enquête circonstanciée a été ouverte pour élucider les faits dénoncés, précisent les autorités judiciaires du pays. Alors, cela fait la énième tentative de coup d'État que nous constatons sous le régime du capitaine président Ibrahim Traoré. Il y a lieu de se poser des questions et des interrogations afin de savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Aujourd'hui, l'armée nationale du Burkina Faso a besoin d'être unie, d'être solidaire, d'être focus sur la lutte pour recouvrer la souveraineté nationale. À la tête du Burkina Faso, depuis le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État qui a renversé le lieutenant-colonel Henri-Paul Sandaogo Damiba. Il s'agissait du deuxième coup d'État en l'espace de 8 mois dans ce pays en proie à l'insécurité. L'officier pointait la situation sécuritaire délétère du pays comme raison principale de son putsch. En effet, le Burkina Faso, où 1135 personnes ont perdu la vie, dont 310 attaques terroristes en 2022, est le pays le plus touché par le terrorisme dans le monde, en termes de victimes, selon l'indice mondial du terrorisme 2023. Nous, qui sommes le bas peuple, nous demandons, c'est de faire en sorte que les bisbilles entre militaires n'impactent pas l'action sur le terrain. Lorsqu'il y a ce genre de tentative de coup d'État, il faut que l'autorité se mette en branle pour faire des enquêtes idoines, rapides, pour situer les populations sur les tenants et les aboutissants de ce coup d'État. En clair, il faut révéler la vérité des faits et donner toutes les chances aux parties impliquées de pouvoir faire valoir leurs droits. Au regard de la récurrence des velléités et autres allégations de déstabilisation, le parquet militaire invite toute personne susceptible de fournir des informations pouvant contribuer à la manifestation de la vérité à venir témoigner. D'autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation sont toujours activement recherchés.